Du coup, je m'appelle Claire. Je voulais faire le stage purement pour faire de la moto plaisir, pas du tout pour le quotidien. J'avais jamais fait de moto avant, pas de scooter, pas de 125, pas de cross, rien du tout, juste du vélo. Et du coup, ça se passe plutôt bien. Il y avait beaucoup d'appréhension au début, surtout que c'est assez impressionnant quand même sur une 500 par rapport à une 125. Donc on m'a fait commencer sur une 125 histoire de casser un peu les craintes, et après on m'a basculé sur une 500. Pour le coup, il y a quand même pas mal de pédagogie. On nous reprend, enfin, on nous oriente bien, donc ça se passe bien. On a fait à la fois du plateau, on fait plateau et route. Donc ça permet de se voir un peu à quoi sert le plateau enfin, quand on est sur la route. Bah, en fait, on évolue vite. J'avais fait deux plateaux juste avant de commencer pour les prises en main. D'une semaine à l'autre, il n'y avait pas beaucoup d'évolution. Alors que là, quand on fait matin et après-midi, voire d'un jour sur l'autre, on évolue quand même vachement vite. En fait, ce qu'on apprend, on le met en application quasiment de suite. Et ce qui fait qu'on on évolue quand même rapidement. On n'est pas pendant 6 heures sur la moto. Avec les explications, avec les temps d'arrêt où on nous représente les choses, on nous les réexplique, la pédagogie, ça reste fatigant, mais c'est quand même, je pense, mieux pour intégrer les choses quand on n'en a jamais fait en tout cas. Merci Marieton.